bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on est en route pour la plage juste à côté de l'appart. Alex est parti ce matin assez tôt à la plage où ma mère n'a pas voulu descendre hier à cause du fameux rat. Alex il voulait absolument faire des prises au drone là-bas, du coup il y est retourné et moi je reste avec Mila tranquille ici. Il y a des petits, vous savez les petits bateaux, les pédalos, j'allais dire les petits bateaux avec les pédales, oui. Les pédalos, j'aimerais bien en faire avec Mila mais je suis pas certaine qu'elle puisse. Donc je verrai ça cet après-midi, là on va aller se poser tranquille, on va manger sur l'heure de midi, il doit être un truc comme 10h. Je vous avouerai qu'on speed pas parce que je suis plus là pour me reposer que pour faire... des trucs de des trucs fatigants quoi, voilà. Alors j'ai mis ma belle robe de chez je sais jamais si c'est Chine ou Rui, je me trompe à chaque fois. J'ai mis mon truc dans les cheveux là, je vous en parlais hier, qui vient de chez Claire's, j'adore, je trouve ça trop jolie. Et Mila, je lui ai mis une tenue de chez Kiabi qui est trop jolie. Et il fait un peu plus ensoleillé qu'hier, je sais pas si vous avez remarqué, le ciel est un peu plus bleu, ça fait plaisir. Mila elle adore les bateaux, je sais pas si vous l'entendez. Et du coup notre appart il est juste là. C'est trop cool quand le ciel est bleu comme ça, franchement. Et là nous on va aller là-bas. Donc il y a un peu de... ouais attends, là-bas, voilà, il y a un peu de route. Mais bon c'est pas très grave, hein, c'est cool. Et il fait la même température que les autres jours en fait. C'est trop bizarre là, vous avez l'impression que voilà il fait... il fait 10 degrés de plus, mais non, il fait exactement la même température, sauf qu'il y a le ciel bleu. Voilà, ça change tout. Hein. Concrètement, on va se prendre un transat ici, à mon avis. Je dois aller demander là-bas, enfin payer pour les transats qui sont là. Et on va demander si on peut faire du pédalo tout à l'heure quand Alex sera là, histoire qu'Alex pédale. Oui. Parce que moi toute seule j'y crois pas, ma mère non plus, mais je suis pas certaine que Mila soit en âge, on verra bien, je suis pas certaine qu'elle puisse. Bon, ma mère vient de repartir à l'appart qui est pas super loin, elle en a pour 10 minutes pour aller, 10 minutes pour revenir, parce qu'elle a oublié son maillot de bain. Ouais. Grande nouvelle, Alex est en panne avec la voiture. Sans déconner, Alex est en panne avec la voiture parce qu'il n'y avait pas de bouchon d'huile sur le bouchon du réservoir d'huile, tout simplement n'était pas là, donc toute l'huile s'est barrée, donc il n'y a plus d'huile dans la voiture et donc il est en panne. Heureusement il a appelé Golcar et il y a une dépanneuse qui arrive pour le prendre et il doit retourner chercher une autre voiture à l'aéroport. Voilà, truc de dingue. On n'est jamais en panne avec rien. Et puis là, on arrive ici, 2 jours plus tard, on est en panne avec une voiture. Le bouchon d'huile qui a disparu, on ne sait comment. Bon. J'espère qu'il va pas passer sa journée à faire ça. On verra bien, hein. Je vous tiens au courant. Moi, je peux pas faire grand-chose. Alex est parti dans les montagnes, dans les volcans, etc. Il a 1h30 de route d'ici. Moi, je suis à pied. Enfin bon, voilà quoi. Bon du coup Alex m'a rappelé, il est toujours, mais il est là, il est dans la dépanneuse, il arrive chez Citroën. Je rigole mais le pauvre franchement, c'est lui qui a voulu aller dans le fin fond de la montagne, mais en même temps ce serait arrivé avec nous, ça aurait été pire encore parce qu'avec Mila dans la voiture, vu le soleil qu'il y a aujourd'hui, ça l'aurait pas fait. Hein. Bon du coup dans 30 minutes on ira manger, on attend que ça ouvre parce qu'en fait il y a 1 heure de décalage, du coup nous on a faim, il est déjà pour nous 13h, mais en fait il est que midi, ici ça ouvre à 13h donc on doit encore attendre... Il est midi 30 et ça ouvre à 13h, on va attendre 30 minutes. Mila s'est fait un petit copain, c'est trop cool, c'est trop mignon. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous montrer la tête du petit garçon. Forcément, je ne peux pas filmer les autres, vous savez. Donc je vais essayer de vous montrer, je flouterai à mon avis le petit garçon comme ça. Vous ne demandez pas pourquoi. J'ai eu des news d'Alex entre temps, il est à 10 minutes d'ici, il retourne à l'agence et ils vont lui donner une autre voiture comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas de soucis, voilà, il n'y a aucun problème. Mis à part que la voiture ne fonctionne plus, l'autre elle est partie au garage. A mon avis Alex aura plus d'explications après quand il sera passé chez Golcar. Bon, en attendant ils sont à Rouen, ça va c'est cool, on avait peur d'avoir des soucis ou quoi, mais ça va. Du coup on vient de s'arrêter dans un truc où il y a des tapas qui a l'air super cool.
et je vous montrerai après ce que j'ai choisi pour nous trois. Bon, Alex est de retour avec une autre voiture, mieux que celle qu'on avait, donc on est content de notre malheur. Bon, elle roule. Une Golf blanche, elle est trop jolie. Bref, on va faire du pédalo. Donc, j'arrête de pédaler, ma vieille. Logiquement, il n'y a pas de souci. Mila peut en faire tant qu'elle met un gilet de sauvetage. Donc, c'est parti, on va faire du pédalo. Opérationnel. On va monter dans cette chose. C'est un dragon en fait. On est parti, ça y est. Oui. Ah, c'est chouette. T'as vu mon amour? C'est le bateau. C'est le bateau, ouais. Depuis qu'on est arrivé, tout ce qui l'intéresse, c'est les bateaux, les pédalos, etc. Il a fallu une demi-seconde pour comprendre ce que c'était qu'un pédalo et pour le répéter, donc elle est super contente. Papa. Et papa qui mène la barque. Oh. Alors, j'ai pété mon iPhone, j'ai pété la voiture. Ah oui, je vous ai pas encore dit, il a cassé son iPhone. Il a pété, il l'a fait tomber hier en montrant quelque chose, il a explosé son iPhone. C'est vraiment la loose cette semaine pour Alex. Mila, on dirait une rescapée du Titanic. Ça va mon amour? Oui. C'est chouette hein? C'est un pédalo. Oui, c'est un pédalo mon amour. Et ça c'est quoi ça Mila? C'est un dragon. C'est un dragon ça, t'as vu? Ah, il fait ah. Mila avec son petit. Parce qu'on est des fous, on a donné le volant à Mila. Vous avez tous. Tout le monde a vu Titanic? Bah pareil. Regardez, le soleil est en train de se coucher, c'est trop joli. Enfin, beaucoup plus tard, je sais pas, 2 heures plus tard peut-être. On vient de se doucher tous, de se préparer pour aller manger, ça fait trop du bien. Je pense que prendre une douche après avoir passé la journée dans le sable, c'est un des trucs que je préfère dans la vie. Non, peut-être pas quand même, mais bon voilà, ça fait vraiment du bien. Vous allez voir notre nouvelle voiture. Alex a fait des pieds et des mains pour avoir une voiture allemande. Parce qu'il ne voulait plus de voiture française. Vous savez très bien qu'Alex n'est pas fan des voitures françaises, mais pour le coup elle était très bien celle-là. Oui. Sauf qu'elle n'avait pas de bouchon d'huile. Ça cause des petits problèmes mécaniques aux voitures ça. Bon elle du coup. Très bien mais j'ai perdu 5 heures. Du coup ils nous ont changé la voiture, enfin ils ont changé la voiture tout de suite à Alex. Et ils nous ont donné une Golf. Elle est trop jolie, une blanche, elle est vraiment chouette. Elle ressemble à la Golf qu'on avait avant d'avoir le 4x4 d'ailleurs. À part ça, j'ai mis mon collier que j'avais acheté avant que ne ferme réserve naturelle. Oh, c'est Mila Bébichou, c'est Mila Bébichou. À Lille. Pff, n'importe quoi. J'ai mis ça avec une longue robe, très longue robe. Alors, j'ai fait des photos tout à l'heure ici, je vais en refaire demain. C'est juste trop, trop une allée pour faire des photos pour Instagram, etc. De mode. Ça rend hyper bien en photo les fleurs tout au long comme ça, c'est trop joli. Bon, et du coup, voilà. La voiture. Bah, c'est une Golf quoi, c'est cool. I have seen the face more than a million.
Alors, on est à Adéré. Ça s'écrit AD. Je sais plus comment. Soit, ça s'appelle Adéré. Et on est venu ici pour manger, on n'y était pas encore venu depuis qu'on est arrivé, franchement c'est trop canon. C'est en fait l'endroit où il y a tous les hôtels de luxe, il y a tous les magasins de luxe, etc. C'est vraiment super joli. Ça n'a rien à voir avec l'autre coin où on est, qui n'est pas mal dans son genre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ici c'est même trop luxe, mais c'est super joli, il y a plein de jolies choses, il y a plein de restos partout. C'est complètement différent de l'autre partie en fait. Nous revoilà en voiture, c'est maintenant que je vais vous laisser, c'était très très bon, on a tous très bien mangé. Seulement on est tous fatigués et Mila surtout est fatiguée. Je sais pas quelle heure il est, il y a une heure de décalage, j'ai oublié de vous le dire. Alors pour répondre à vos questions, vous m'avez demandé si ma mère avait pu embarquer suite au problème de billets. Il n'y a pas eu de soucis, ils nous ont rien dit et ils nous ont laissé embarquer comme ça. Ils l'ont vu mais ils ne nous ont rien dit. Ma caméra fait n'importe quoi, je suis désolée. Canon, c'est quand vous voulez hein, que vous faites quelque chose pour les G7X, hein, histoire que dans le noir ce ne soit plus flou, ce serait bien. Donc voilà, on va rentrer maintenant. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous. Alex vient de se taper 3 km avec Mila dans les bras après avoir mangé une bonne paella. C'est compliqué. J'ai 3 litres de bave sur l'épaule, je sais pas d'où ça vient. Peut-être un oiseau qui s'est soulagé sur mon épaule, ou alors c'est Mila, je sais pas.